Docteur Alexis Soulon, directeur général des cliniques Mouna. La clinique dentaire Mouna, ce sont des cliniques pluridisciplinaires. On a remarqué quelque chose au niveau de la population avant d'ouvrir cette clinique ici. Il y avait assez d'évacuations du côté de Conakry, de cette communauté. Et la clinique, on a jugé nécessaire de venir, d'être proche de la population. Maintenant, cette clinique aura beaucoup plusieurs spécialités. On a à savoir l'orthodontie qui consiste à l'alignement normal des dents. Et la dentisterie conservatrice, c'est-à-dire les soins dentaires et les équipements sont là. Il y a la prothèse dentaire et ainsi de suite. Plusieurs spécialités seront au sein de ce cabinet. La santé bucco-dentaire, elle est primordiale. Du coup, la population, même pas que la population de l'Abbé, nous, la population guinéenne, et africaine, on néglige cette santé bucco-dentaire. Il faut aller vers cette communauté, cette population, pour les expliquer l'importance de la santé bucco-dentaire, puisque tout ce qu'on consomme, ça passe par la santé bucco-dentaire. Si on n'a pas une bonne santé dentaire, cette santé peut se répercuter sur l'état général de la population, de l'être humain. Donc, la population doit savoir, doit tenir compte vraiment de leur santé dentaire, tout en se faisant consulter de façon périodique, c'est-à-dire 2 fois par an. Même s'il ne faut pas attendre la douleur pour aller voir le dentiste, et la dent peut être cariée, mais sans douleur. Si vous ne vous faites pas consulter, cette carie peut se développer et entraîner une douleur. Et les conséquences sont très énormes.